Mon arrivée ou mon rêve ou mes premières envies de voiture ancienne sont simplement esthétiques. En fait, je suis très sensible à l'art et c'est les lignes qui me parlent. Pour moi, ce sont des objets magnifiques. Ces voitures anciennes ont une âme, ont quelque chose. Et plus le temps avance, plus je vais vers des voitures de plus en plus anciennes dans mes goûts. Ce qui me plaît énormément dans les voitures anciennes, c'est avant tout la ligne. Ça, c'est le premier choix, c'est le dessin de la voiture. Ensuite, le fait d'être dans quelque chose qu'il faut piloter quelque part. C'est pas comme une voiture contemporaine où on tourne les clés. C'est une aventure. À chaque fois, c'est une aventure de monter dans une voiture ancienne. Mais rien à faire, c'est l'esthétique. Je pourrais contempler la voiture dans mon garage sans l'utiliser, sans aucun problème. La photographier sous tous les angles, la peindre d'ailleurs, et en peindre d'autres. Ça, c'est vraiment la clé de ce que j'aime dans la voiture ancienne. Ce goût pour l'art, ou l'esthétique en général, m'a mené à toujours rechercher des véhicules un peu particuliers. Donc, les coupés, notamment. À l'époque, j'ai eu une MG à coupé, et aussi une voiture un peu particulière par son côté fastback, mais ça n'est pas la TVR Grand Tour. Pendant ces quelques années de recherche de TVR Grand Tour, je vais en voir pas mal courir à Spa, au Mans Classique, à Goodwood évidemment. Elles sont énormément coursifiées ces voitures. Donc là je me pose la question, est-ce que c'est bien pour moi qui en veux un usage finalement routier et plus classique? Elles ont un châssis tubulaire. Les Anglais adorent ça, ces voitures lightweight, ces voitures où on met un châssis tubulaire avec une coque en fibre. C'est très léger, on a finalement un petit moteur et ça suffit à avoir des accélérations très rapides, d'avoir des reprises en sortie de virage. Il y a eu beaucoup de motorisations, la mienne a un classique, je dirais MGB 1800, mais avec la fameuse culasse à charger, à flux croisé. C'est une culasse qui est fort utilisée en course parce qu'elle a un meilleur rapport de puissance. À charger est un ancien fabricant automobile anglais qui a arrêté sa production d'automobiles, mais un ingénieur a continué à faire des culasses spécifiques pour les MGB. Le problème, c'est qu'il y en a eu 90 de très vite, de TVR Grand Tour à MK3. Donc la recherche s'avère difficile. Il faudra attendre 5 à 6 ans avant que je puisse enfin trouver la voiture que je possède actuellement. Il y a un Américain qui a aidé TVR par l'importation de nombreuses TVR Grand Tour aux États-Unis. Et là, Jacques Griffith va avoir l'idée d'y greffer un V8. Et depuis lors, la TVR américaine de 64, qui s'appelle alors TVR Griffith, va être la grosse concurrente des AC Cobra, etc. Elle va vraiment être un monstre sur les circuits par son rapport poids-puissance. Avec la TVR Grand Tour, c'est pas comme une autre ancienne. C'est particulier. C'est là où on sent tout l'esprit course, en fait. On est vraiment à la charnière entre une voiture de route et une voiture de course, mais je dirais plus une voiture de course. Les reprises avec le châssis et la légèreté du véhicule sont énormes, quoi. Il y a des reprises, on passe en deuxième, tout de suite on monte dans les tours, on est à 6000 tours. C'est violent, c'est physique, c'est une voiture vraiment au ras du sol. C'est vraiment particulier, moi j'adore.
Je m'appelle Grégory Desmond, je roule en TVR Grand Toura de 1963.